que je m'imaginerais en pique-nique sur une peau d'ours devant un feu de foyer à partager quelques bons trucs à manger et à boire une bouteille qui me rappelle peut-être la mer. Oh, genre, il me semble qu'on est rendu là, à rêver de la mer, du soleil. Bon, ben pourquoi on goûte pas quelque chose qui nous rappelle ça? J'ai pensé à un vin déjà qui porte le nom, Côté Mer, domaine de la Rectorie. Domaine de la Rectorie, grande famille, hein? Domaine qui est tenu par une grande famille, une famille qui m'épate, en fait, quand je les ai visités. J'ai pas rencontré tout le monde, mais j'étais épatée par le nombre d'enfants, le nombre de frères et de sœurs, et toujours rêvé de faire partie d'une grande famille. Donc, qui partagent un projet, le domaine de la Rectorie, et qui ont parti aussi à un autre domaine, la Préceptorie, là, plus dans le coin de Maury. Ça, c'est à Collioure. Donc, on goûte à un vin sec, rouge, côté mer. Ils font aussi des bagneuses, évidemment. Quelque chose de... Ah, ça sent bon. Ça sent... Il y a quelque chose d'un peu animal. Il y a vraiment une épice bien présente. Un peu de fruits séchés, fruits confits peut-être, genre du pruneau, de la figue. Ça, c'est le fun. C'est à propos pour un feu qui est là, dans la cheminée. Et ça rappelle quand même le sud, le soleil. C'est classique, hein? C'est ce qu'on veut d'un vin de ce type-là, là, quelque chose de facile d'accès, de droit, pas qui part dans tous les sens, pas trop fou, mais quand même qui a une certaine... qui fait vibrer quand même un peu. C'est bon. Donc, soit pour un pique-nique ou pour, pourquoi pas même après le ski, un gros repas entre amis, ça peut être pas mal aussi. Donc, domaine de la Rectorie. Côté mer, Collioure sur 2007, bu sur le web.